Bonjour à tous, c'est Troufman, on est sur le Computex 2012 et on est sur le stand de Colorful. Il y a quelque chose de bien particulier, c'est ce bloc, cette masse là, c'est une GTX 680. Voilà, c'est tellement lourd, ça pèse quasiment 4 kg, c'est juste énorme. Ils ont pris une solution, on va faire de l'air cooling, on va faire de l'air cooling massif. Donc, ça ressemble à ça, c'est juste énorme. Puis après, ils se sont dit, on va peut-être faire du water cooling aussi. On peut remplacer, on retire le ventilo, puis on va mettre un water block. Ça fait du water cooling. Avec cette version-là. Voilà, on met du water cooling. Ils se sont dit, tant qu'à faire, c'est déjà tellement lourd et tout. On va mettre un. On va mettre un bloc LN2 pour carte graphique directement dedans. Ils sont complètement fous. C'est juste. Personne n'a fait ça avant. Ça va être juste. Je sais pas, c'est, faut attendre de voir ce que ça donne. C'est vraiment, on a été assez étonnés quand on a vu la press release il y a quelques jours, un peu avant le Computex. On a vu, non mais c'est pas possible, ils ne vont jamais faire ça. Si, ça existe, on l'a touché, c'est bien, c'est beau. On verra comment ça se débrouille, on va essayer d'avoir un sample pour tester vraiment plus en détail. Ça sera une édition limitée de toute façon, vous savez, c'est tellement gros que ça ne peut pas être vendu en masse. Puis on va voir, ça viendra de toute façon avec des fréquences déjà overclockées de base. On va très certainement faire un article écrit là-dessus un peu plus en détail dans les prochains mois. À bientôt.